Je rêve. Dites-moi que je rêve. Mais non, patron, vous ne rêvez pas. Mais c'est impossible. Je ne peux pas y croire. Furax. Non, 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 oh, non. Allons, 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 monsieur Fouvrault. Ne vous énervez pas. Allez voir. C'est un monsieur. Bon, faites entrer. Hé, hey, vous, là. Par ici. Commissaire Socrate de la PJ. Bonjour, Fouvrault. Vous ici? Eh bien, on ne se gêne plus. Mais je sais, mon vieux, je sais. Vous n'aimez pas mélanger les polices? La DDT n'est pas une police. Alors, oublions ça, je vais vous parler. Un instant. Tenez, mademoiselle Fiotte. Voilà 40 francs. Allez vous acheter des caramels. Oh, oh bah quelle boîte! Salut! Je vous écoute. Mon cher Fouvreau, Furax est revenu. Furax? Comment le savez-vous? Vous oubliez que nous avons fait installer l'an dernier, vous et moi, une double ligne téléphonique qui nous permet de nous espionner mutuellement. Mais j'ai cassé tous vos micros. Mais bien sûr, et moi les vôtres. Mais vous avez oublié le porte-manteau? Quel porte-manteau? Tringlard! Sortez, mon vieux! Oui, chef! Au nom d'un chien! Mon porte-manteau Henri II! Eh oui, mon cher. C'était un de mes inspecteurs déguisés en porte-manteau. Bien joué, Socrate. Ah. Tringlard, vous pouvez disposer. Ah, tant mieux, chef. Vous devez avoir des crampes. Vous parlez, le style Henri II, c'est le plus fatigant. Oh, j'ai les jambes torsadées. Allez, vite. Et n'oubliez pas qu'à 22h, vous êtes banquette Louis XV à l'Elysée. J'y serai, chef. Mmh. J'aurai ma revanche, Socrate. Allons, Fouvreau. Oublions nos rancunes. L'heure est très grave. Furax est revenu. Le papier que le vieux conservateur de l'obélisque a griffonné avant de mourir est une preuve. Qui prouve que c'est Furax qui a gravé les hiéroglyphes? Qui a substitué un faux obélisque au vrai? Qui a volé le lion de Belfort? Qui? Hein? Moi, je le prouverai. J'affirme que c'est lui. Moi, j'affirme que non. Vous êtes un enfant. Et vous, un âne. Et si je vous mettais ma main dans la figure? Vous frapperiez un enfant? Bien sûr, puisque je suis un âne. Eh bien, voilà une avoine. Oh! Saligo! Ouch! Ah, le saligo! Ah, c'est ça! Eh bien, voilà. On est bien avancé maintenant, hein? C'est vous qui l'avez voulu. Alors, c'est dit, Fouvreau. On travaille chacun de son côté. Je travaille seul. Que le meilleur gagne. Adieu, Fouvreau. Adieu, Socrate. Communiqué spécial. La préfecture de police recommande à la population parisienne... Quoi? Non, d'accord. On nous communique, en dernière minute, l'arc de triomphe gallo-romain de la ville d'Orange sur la Nationale 7 vient de faire explosion dans des circonstances mystérieuses. La police locale a appréhendé un homme et une femme et procède actuellement à leur interrogatoire. S'agit-il d'un premier pas? Mademoiselle Fiotte. Monsieur Fouvreau. Prévenez le chauffeur, je pars pour Orange. Pour Orange? Avec quelle voiture? La Citron. Oh, pourvu qu'il n'y ait pas de pépins. Allô, ici commissaire Socrate de la PJ. Retenez-moi une première pour Orange. Où ça? Mais voyons dans le train bleu. Allez hop, vous autres! Monsieur le commissaire Guillaume d'Orange vous fait l'honneur de vous interroger. Dites-moi un peu ce que vous et votre femme fabriquiez devant l'arc de triomphe d'Auguste. Mais on l'admirait, monsieur le commissaire! Ah vraiment? Vous l'admiriez? Oui, très bien. Avec une cigarette allumée à la main. Ah non, je ne l'ai pas gardée allumée, je l'ai éteinte. Ainsi, vous avouez l'avoir éteinte. Ben oui, monsieur le commissaire. Et comment, s'il vous plaît, l'avez-vous éteinte? Ben, c'est-à-dire que... Tu vas répondre, oui? Mais je... Asphodel, pas... Ménélas, un petit coup d'aspirateur pour aider les aveux de monsieur à sortir. Ouah, c'est arrêtez de cogner! Qu'est-ce que tu dis? Qui c'est qui t'a connu? Ben, personne, monsieur le commissaire. Ah bon? Alors, cette cigarette... Je l'ai éteinte en l'écrasant sur la face d'un des piliers. Mais allez donc, bourreau de saligo! C'est bien ce que je pensais. Et alors ça a fait éclater l'arc qui s'est pulvérisé en 1000 morceaux. Tu entends, ordure? Mais... C'est toi qui as fait éclater l'arc de triomphe d'Auguste! On ne savait pas qu'il était à Auguste, monsieur le commissaire. Tu vas nous payer ça, mon bonhomme. Allez, les gars! Au boulot, s'il vous plaît! Oula! Eh bien, on me fait mal! Monsieur le commissaire Guillaume d'Orange, qu'est-ce qui se passe-t-il? On me frappe et je suis douillet. Poussez-vous, mon ami. Oh, monsieur Fouvreau, quel honneur, monsieur le directeur. Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur le directeur. Je suis à vos ordres, monsieur le directeur. J'étais justement en train oui, de... Oui, je sais, j'ai tout entendu.
Commissaire Guillaume d'Orange, vous êtes un crétin. Mais certainement, monsieur. Bien fait. Taisez-vous. Avez-vous un morceau de débris? Quelque chose. Oui, tout de suite. Voilà, monsieur Faubourg. Voyons. Quelque chose d'écrit dessus. On distingue mal. Il faudrait le tendre. Aidez-moi, voyons. Allons, vous autres. Aidez-moi. Tirez fort. Voilà. Là, ne bougez plus. On voit mieux. Commissaire Guillaume d'Orange, qu'est-ce que vous lisez? Rien. Eh bien... Voilà. Signé Furax. Signé Furax. Comme c'est étrange. Commissaire Socrate, qu'est-ce que vous venez faire ici? Simplement vous exprimer mon étonnement. À quel propos? Je croyais que Furax s'était retiré des affaires. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.